Manon Picot, Anaïs Combeau, merci d'être là. Alors, on vous retrouve puisque vous avez déjà été lauréate il y a 2 ans du prix Livre Hebdo des librairies. Alors, c'était pour le pan valorisation du fonds. Et cette fois-ci, comme une espèce de suite logique, et c'est d'ailleurs comme ça que vous avez présenté votre dossier, vous nous revenez et vous êtes lauréate du prix de l'animation. Alors, expliquez-nous pourquoi, pour vous, ces deux prix, enfin ces deux catégories, ces deux actions vont de pair. Je me lance. Vas-y. En fait, l'animation pour nous, c'est un moyen au service de la valorisation des fonds. Donc on construit des choses avec beaucoup de soucis de cohérence, celle des images et d'équilibre. Et en fait, l'animation de nos rayons mettant en valeur des livres comme tels qu'on les présentait dans la valorisation des fonds, c'est un autre outil d'un panel en fait, de dispositifs qu'on va aller solliciter pour valoriser en fait, les ouvrages qu'on a envie de défendre, les collections qu'on a envie de faire découvrir. Et donc, créer des animations, c'est vraiment l'étape d'après, mais qui reste dans cette ligne en fait, qu'on construit comme vraiment un programme culturel complet au sein de la librairie. Alors justement, de la même façon que votre programmation, enfin votre animation des fonds est très programmée, très calibrée, vous faites un calendrier à l'avance, j'en déduis que pour les animations, c'est la même chose. Oui, totalement. En fait, en librairie, on n'a pas de marge de manœuvre temps qui sont vraiment extensibles. Donc c'est vrai qu'on est dans la planification tout le temps. C'est nécessaire pour justement avoir un cadre pour ces projets et que quand ils sont faits, ils sont bien faits. Donc c'est vrai qu'on est toujours un tableau Excel ouvert sur le PC, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer relativement rapidement, donc forcément on va un peu passer sur certaines choses, mais comment vous fonctionnez, comment vous pensez votre programme culturel? Alors, je parlais d'équilibre tout à l'heure, en fait on est là encore sur ça, donc en fait on cherche à ce que, à la fois en termes de sujet, notre programme d'animation représente les segments éditoriaux qui sont importants pour lire les images, mais on va aussi aller essayer de chercher un équilibre dans le type des animations qu'on va imaginer, un équilibre entre ce qui va avoir lieu dans la librairie et ce qui va avoir lieu à l'extérieur de la librairie. Un équilibre entre les actions qu'on va vraiment porter seules et qui vont vraiment avoir une audience très lille aux images, et toutes les actions pour lesquelles on va aller chercher des partenaires, soit pour co-construire, soit pour créer des événements de plus grande ampleur et fédérer sur le territoire. Donc on est vraiment toujours dans cette espèce de recherche de cohérence et de dosage entre ces différents impératifs, avec bien sûr le dernier impératif qui compte dans cette balance-là, c'est les moyens économiques, humains, de temps, comme disait Anaïs, à notre disposition. Donc en fait, c'est vraiment l'articulation en fait, de toutes ces contraintes-là qui va déterminer le programme qu'on met en place. Concrètement, comment se passe un mois d'animation à l'île aux images? Dans l'idée, en fait, on voulait faire au moins une rencontre en librairie par mois. L'idée, c'était vraiment de montrer notre dynamisme. Et donc, en fait, c'est passé par plusieurs aspects. En fait, il y a eu, vu qu'on a une programmation de valorisation des fonds qui est très cadrée, ça passait soit par l'invitation de l'auteur ou de l'autrice du mois qu'on a mis en avant, soit à l'échelle trimestrielle, on met une maison d'édition, une collection de maisons d'édition en avant, donc ça peut être aussi un peu l'occasion parfaite pour les invités. Et donc ça, c'est vraiment l'animation au sein de la librairie. Et ensuite, il y a, donc, comme disait Manon, tout ce qui va se passer à l'extérieur. Donc on a des rendez-vous qui sont déjà cadrés d'une année sur l'autre avec des partenaires culturels extérieurs. Donc à l'île aux images, un mois d'animation, c'est au moins 3-4 rendez-vous faciles. Mmh. Donc un par semaine minimum. Ouais. Ou 3 dans la semaine. Ça arrive aussi. Parce que
quand on co-construit, on n'est pas toujours totalement maîtresse de, justement du calendrier. Okay, mais ouais. Effectivement, il y a aussi cette question d'avoir aussi des événements de différentes échelles. Et il y a des temps forts comme l'organisation d'un salon du livre jeunesse ou d'un festival féministe où on rassemble des dizaines de partenaires qui vont prendre plusieurs mois. Et des actions comme des petits rendez-vous qu'on va aller mener au théâtre La Scène Nationale, qui sont juste entre deux structures, Lilleuse Images et cette institution, où là, c'est forcément, ça nécessite beaucoup moins d'anticipation et de moyens. Donc, il y a aussi ça qui rentre en compte sur le calendrier. Alors, vous organisez des challenges littéraires. Dites-nous ce que c'est. En fait, en France, on a pléthore de distinctions littéraires. Donc, on s'est dit pourquoi pas une distinction Lilleuse Images. Et en fait, c'est parti de l'idée en fait quand les gens viennent en librairie, on s'adapte beaucoup à leurs demandes. Et en fait, ce challenge, c'était aussi l'occasion de présenter ce que nous on aime. Donc, en fait, à partir de cette idée-là, on a créé deux rendez-vous. Un rendez-vous de rentrée littéraire presque alternatif, si on peut dire, où en fait, parmi tout ce qui sort, les fameux 500 romans de la rentrée littéraire, on va aller piocher les petites pépites que nous, on attend avec impatience dans les petits catalogues, sur des sujets qui nous animent et qu'on a parfois un peu plus de mal à défendre en librairie. Et en fait, à partir de là, on en sélectionne 5 et on propose à nos lecteurs et à nos lectrices de les lire à leur tour et de former un espèce de petit comité de lecture en fait pour les départager. Et l'autre aventure qu'on a, c'est l'île Odyssée, donc dans l'idée en fait un petit peu de la bibliothèque idéale dont on nous rabâche souvent les oreilles, les 50 incontournables à lire absolument. Nous aussi, on a des incontournables, donc on n'a pas dérogé. Avec là, l'idée par contre plutôt d'un format de poche, du côté un petit peu plus livre de fond, ouais. Et puis livre à emmener assez facilement. Et l'idée en fait, c'est que donc là, c'est une sélection de 10 titres, mais l'idée, c'est pas forcément de la découverte, c'est plus compléter en fait, parce que c'est des titres, ça fait déjà 3 ans au moins qu'on les conseille et qu'on les rabâche. Et donc, en fait, c'est plutôt montrer aux gens vous avez aimé ça. Ben, ça aussi, c'est un de nos incontournables. On n'a peut-être jamais pensé à vous en parler à vous, mais regardez, il est là. Et on a ajouté à ça une dimension ludique. C'est que pour présenter ça d'une manière peut-être moins prescription solennelle, on a demandé à la graphiste avec qui on travaille au quotidien à Lilleuse Images de nous réaliser une carte un peu détournement de ce qui se pratique dans les livres d'imaginaire, qui représenterait les 10 univers littéraires sélectionnés pour proposer du coup à nos participants une sorte de voyage en fait. Voilà. Et toute la communication faite autour, parce que quitte à tirer le fil, on a été jusqu'au bout. En fait, on présente ça comme un périple dont on est le héros ou l'héroïne. Donc à chaque fois, il va falloir voyager en fait. D'étape en étape. Une question rapide, j'ai entendu plusieurs libraires à la sortie du Covid, donc l'année dernière à peu près à la même époque, nous dire oui les animations ça a vraiment du mal à redémarrer, les gens sont frileux. Un an plus tard, qu'est-ce qu'il en est ? On a un constat assez mitigé par rapport à ça. En fait, toutes les animations qu'on construit avec des partenaires qui sont vraiment de grande ampleur, on rencontre un très grand succès. Effectivement, les rencontres qu'on organise à Lilleuse Images sur la littérature adulte sont des rendez-vous sur lesquels on a perdu une grande partie de notre fréquentation et qui nous amènent aujourd'hui à re-réfléchir ce format pour peut-être le rendre plus attrayant, parce que du coup, surtout que nous, ces rencontres-là, on va privilégier vraiment de la découverte de livres qu'on a envie de pousser, mais donc c'est souvent des premiers romans, ou alors des maisons d'édition un peu confidentielles, et donc c'est pas forcément le nom de l'auteur qui va attirer en librairie. Donc ce constat qui est qu'avant le Covid, nos clients nous suivaient un peu aveuglément et étaient présents en nombre pour ces animations,
ils le sont moins aujourd'hui. Donc à nous peut-être de réinventer cette partie-là, en tout cas, de nos programmes d'animation. Et du coup, à contrario, par contre, toutes les rencontres qu'on fait sur des sujets de société, là, on a par contre une vraie clientèle qui en demande, qui régulièrement nous propose en fait des idées, des sujets, des auteurs ou des intrices à inviter. Et du coup, c'est comme ça qu'on en vient à faire presque des tables rondes, plus que juste la rencontre de l'auteur pour son livre. Alors, dernière question, rapidement, je suis désolée, mais le sujet mériterait toutes ces RNL, je sais qu'il a été évoqué. Qui dit animation dit rentabilité, enfin en tout cas équilibre économique et rémunération. Qu'est-ce qu'il en est pour vous ? Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de modèle qui nous permet de rémunérer les auteurs et les autrices pour les rencontres qu'on a à Lilleuse Images. Dans le cadre de l'organisation de notre salon du livre jeunesse, là oui, parce qu'on va chercher du financement extérieur, on va chercher des partenaires institutionnels, des collectivités territoriales qui viennent abonder et permettre le financement de leur rémunération. En revanche, pour tout ce qui est à l'échelle de la librairie, en prenant en compte déjà le défraiement de l'invité et les frais logistiques afférents du coup à l'organisation de la rencontre, même en partageant ces coûts-là avec l'éditeur, sur le type de rencontre qu'on organise, on ne rentabilise pas du tout ça sur la vente des livres. Et même, on peut même se dire que le temps que nous, on passe à l'organisation de ces rencontres n'est pas pris en charge par la vente des livres. C'est-à-dire on que... On a fait un calcul effrayant. Voilà, ça c'est une réalité. Mais... Donc en fait, c'est aussi partant de ce constat-là qu'on induit un dosage. C'est-à-dire qu'effectivement, on a calculé qu'aujourd'hui, par rapport à l'activité de l'île aux images, ce qu'on pouvait se permettre, c'est une rencontre de ce type-là par mois. Demain, et c'est une demande que je trouve complètement légitime de la part des auteurs et des autrices, et c'est pour ça qu'on s'est penché sur la question, si on devait rémunérer chaque intervenant en fait, dans nos murs, et ben, en fait, on passerait de une par mois peut-être à seulement trois par an. Et en fait, ben, voilà, ça rebattrait entièrement les cartes de la manière dont on envisage l'animation en librairie. Donc c'est un vaste débat avec lequel on a déjà eu des discussions, que ce soit avec des éditeurs, autant qu'avec des auteurs. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas de réponse pour ça. Peut-être que la réponse viendra de l'accompagnement qu'on pourra obtenir via des contrats de filière sur les territoires, via les agences régionales du livre ou que sais-je. Mais c'est vrai qu'on est très attentive à des questions d'équilibre économique de la librairie, des questions de gestion. Ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on est extrêmement rigoureuse. Et malgré tout ça, malgré le fait d'avoir tourné le problème dans tous les sens, aujourd'hui, on ne dégage pas les marges de manœuvre nécessaires à cette rémunération d'auteur. Eh bien, nous allons terminer sur cette interrogation. Effectivement, je pense que les réponses ne sont pas faciles à apporter. En tout cas, merci à vous deux pour être à nouveau parmi nous, pour avoir à nouveau candidaté. Et encore bravo pour ce très beau prix où on vous reconnaît extrêmement organisé, structuré. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Merci. Merci beaucoup.
Alors, François-Xavier Schmitt, vous êtes parmi nous pour le prix de l'espace intérieur. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on revienne sur votre parcours et l'histoire de la librairie pour laquelle vous êtes récompensé aujourd'hui. Donc, vous êtes créateur de L'Autre Rive à Toulouse. Vous avez également participé à la création de la librairie Albertine à New York. Et en mars 2022, vous avez ouvert Le Bruit des mots à La Flèche, dans la Sarthe. Toulouse, New York, La Flèche, qu'est-ce qui vous a amené en Sarthe? Alors d'abord parce que je suis né en Sarthe et que j'ai toutes mes attaches familiales et quelques-unes encore amicales en Sarthe. J'ai quitté la Sarthe pour évidemment faire mes études à Paris et ensuite atterrir à Toulouse. Mais si on me demande encore aujourd'hui d'où je suis et d'où je viens, j'ai tendance à répondre la Sarthe. Donc il y avait un côté très affectif à ça. La vie fait que ça a été finalement un retour aux sources assez tortueux, mais moi j'ai créé du coup L'Autre Rive il y a une quinzaine d'années à Toulouse. J'ai eu une parenthèse un peu surréaliste puisque j'ai eu la chance de mettre en place la librairie Albertine, de la créer et de la diriger pendant 2 ans, donc de 2013 à 2016. C'était déjà, c'est ça qui est assez amusant avec le projet de La Flèche, un appel à projet auquel j'avais répondu avec une totale décontraction, étant persuadé que je ne serais pas l'élu. Et puis finalement, ça s'est fait, donc voilà. Et j'avais mis en gérance L'Autre Rive pendant 3 ans à cette époque-là. Je suis revenu donc en France et j'ai repris la librairie L'Autre Rive en 2016, qu'on a bien développée, qu'on va d'ailleurs agrandir normalement là dans les mois à venir. On va rajouter plus de 40 mètres carrés à cet espace. Et entre-temps, totalement par hasard, en avril 2021, mes parents m'envoient un petit article qui était paru dans l'Ouest France qui disait « La municipalité de La Flèche recherche son libraire pour une future ouverture de librairie ». Donc j'ai hésité, puis bon, moi je réfléchis après coup, donc je me dis bah, quand même c'est trop bête, c'est mon coin, ça me ferait bizarre de voir quelqu'un qui s'installe alors que voilà. Bon bref, je réponds à la candidature et j'explique qu'en fait moi je me tiens au service de la municipalité pour installer une librairie, la mettre sur les rails et après revenir à Toulouse puisque ma vie et ma famille est à Toulouse. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont sélectionné, un peu comme ça s'était passé à New York. Et du coup, j'ai passé d'abord une semaine par mois jusqu'en décembre à La Flèche. Puis, à partir du 2 janvier, pendant 6 mois, je suis resté à La Flèche. J'ai donc, dans les 2 mois qui ont précédé l'ouverture, finalisé tout l'amont de cette librairie, y compris effectivement du coup la partie construction. Et on a ouvert comme prévu le 3 mars. Et là maintenant, fin juin, je vais laisser les rênes à la personne que j'ai embauchée pour ça. Alors pour la partie aménagement, construction, comme vous dites, c'est vrai que le projet est un peu particulier parce que vous expliquez dans le dossier que vous avez confié pas mal de choses à votre famille, à des proches. Alors à ma famille, mais quand même beaucoup plus particulièrement à mon père. C'est vraiment avec lui que j'ai travaillé. Je suis revenu quand même, ce qui est un exploit, j'ai tenu vivre 6 mois chez mes parents 30 ans après en être parti, c'est quand même pas banal. Et mon père est un ancien architecte, effectivement, mais qui est surtout un excellent bricoleur et manuel, ce que je ne suis pas du tout. Donc en fait, dès l'amont, il a participé notamment au choix des entreprises, puisque lui était sur place, donc avec rendez-vous de chantier, etc., il a repris du service. Hein, ça fait 12 ans qu'il est à la retraite, mais ça se perd pas. Et dans le même temps, on a défini tout un mobilier, alors une partie qui était, j'allais dire, à fabriquer classiquement par des professionnels, et toute une partie, on s'est dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc on va les construire nous-mêmes. Donc ça concerne, j'allais dire, presque la moitié quand même du mobilier, puisque ce sont toutes les tables de la librairie, c'est nous qui les avons réalisées, toute la vitrine de la librairie, tout ce qui est la partie réserve de la librairie, plus des petites choses à droite à gauche, avec de l'huile de coude et un peu de sous aussi au passage, parce que c'est quand même de fait, des quand on fait ça, on gagne une économie de dingue. Hein. Donc on a fait découper les panneaux. Il y avait, je crois, plus de 350 morceaux différents de bois. Et après, il fallait assembler tout ça, les peindre, y mettre des roulettes, etc., etc., aller sur le lieu. Voilà. Donc on a fait ça, en gros, pour faire court. Dans la journée, on faisait les travaux. Et le soir, je créais le fond de la librairie pour l'ouverture.
et les ouvertures de compte. Voilà, il y avait deux activités très distinctes, sachant que comme c'était ma troisième ouverture, j'avais un petit peu de bouteille là-dessus, mais je ne l'avais jamais fait dans ce contexte-là. Donc je lui dois une fière chandelle. Et qu'est-ce qui a présidé, enfin quelle philosophie a présidé à la conception de la librairie, à son aménagement, à sa circulation, au mobilier, aux couleurs, parce qu'elles sont particulières? Alors la couleur, pour démarrer par là, c'est pas compliqué, enfin si, on aurait pu faire autrement, mais disons que dans le cadre des, justement des cœurs de ville, des financements cœurs de ville par... La Flèche a été bénéficiaire de ça, et en fait la devanture était déjà toute faite. Donc avec ce bleu roi qui existe déjà, donc sauf à dire demander à la municipalité de changer de couleur, etc., on avait déjà une tonalité qui était un peu, sinon imposée, en tout cas suggérée. Donc une fois qu'on s'est dit, bon alors après on met quoi comme couleur, on a joué sur ces bleus-là, notamment sur tout ce qui est les meubles de la partie jeunesse et toutes les tables. Après, ce qu'on a souhaité faire en termes de couleurs, puisqu'on est sur ce sujet-là, c'est un pari que moi, je n'aurais jamais fait. Et pour le coup, ça valait le coup d'écouter mon père qui a un peu l'habitude de ce genre d'endroit. Il a dit, on va couper le plafond et le sol en deux et on va faire des couleurs différentes. Je lui ai dit, mais ça n'existe pas. Les librairies ne font pas ça. Tu vas voir, on va faire une partie noire, une partie blanche. Donc déjà, le noir, moi, je ne l'imaginais pas dans une librairie. Or, je le dis, ça apporte une sorte d'esthétique classieuse, élégante, qui est géniale. Et quand vous mettez une couverture blanche d'un livre sur un fond noir, c'est vraiment magique, comme visuellement, et je ne regrette absolument pas ça. Ce qui a guidé aussi notre choix, on a comme un espace qui est assez grand, de vente, on a à peu près 125 mètres carrés, donc on a de la place. Et on y a été aussi contraint parce qu'il faut en parler, il y a beaucoup de libraires qui se cassent les dents là-dessus, et c'est très compliqué les normes d'accessibilité, il faut quand même le dire. C'est quelque chose qui devient extrêmement contraignant dans les commerces et la librairie n'y échappe pas. Donc du coup, on a une certaine fluidité et une certaine latitude dans les mouvements dans la librairie. Et c'est plutôt pas mal parce que moi, à Toulouse, je suis plutôt rikiki. Et en fait, je me rends compte que c'est quand même vachement plus agréable pour les clients de pouvoir déambuler sans être serré, etc. On a aussi voulu faire en sorte que ça soit d'un seul tenant dans la ligne d'horizon, c'est-à-dire que les meubles intermédiaires ne sont pas trop hauts pour que de la caisse on puisse voir complètement jusqu'au bout de la librairie. Les seuls meubles hauts sont sur les côtés, mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas de coin caché, et ça apporte une sorte, pareil, de ligne d'horizon au fond qui est agréable. Et puis le point un petit peu qui a été l'occasion de beaucoup de débats, c'était l'idée de dire ras-le-bol des angles droits, des lignes, on va essayer de mettre un peu de courbure là-dedans. Alors, c'était pas évident, mais je crois que du coup, finalement, ça fonctionne pas mal. On a même failli le faire sur certaines tables, mais bon, c'était logistiquement plus compliqué, les livres peuvent tomber, etc. Bon. Donc nous, on s'en est tenu déjà à quelque chose qui saute aux yeux quand on rentre dans le magasin, donc à une ligne complètement courbe au plafond, cette séparation de couleurs, et au sol aussi, avec deux couleurs de parquet qui se répondent et qui suit cette ligne du plafond. Donc on a une sorte de guide qui nous emmène jusqu'au fond du magasin. Et puis après, on a aussi, et là c'était un choix délibéré qui est pas neutre, hein, parce que ça veut dire qu'on met moins de livres, on a décidé de faire l'espace enfant qu'en courbe. Donc on a deux demi-cercles qui se répondent, de couleurs et de tailles différentes, avec un tapis rond au milieu, un lampadaire également en forme de cercle, et une tapisserie qui fait appel à une sorte de nuages qui sont aussi dans des formes très rondes. Donc l'enfant, en fait, se trouve, alors qu'on est au milieu des livres qui sont, à ma connaissance, tous rectangulaires, voire carrés de temps en temps, dans un univers beaucoup plus doux, beaucoup plus fin et de courbe. Et ça, très clairement, les gens aiment beaucoup parce que, voilà, d'abord, c'est pas banal, visuellement, ça rend pas mal, et voilà, ça casse un peu ces lignes un peu sévères qu'on voit dans beaucoup de librairies. Et depuis le mois de mars, vous les voyez évoluer dans votre librairie, et ce que vous aviez imaginé dans la circulation, dans la réception justement de ces courbes, est-ce que vous le constatez en réel ? Eh bien, en tout cas, étant donné que j'ai mis la jeunesse au fond et que ce chemin visuel du plafond mène au fond, et moi je me rends compte que, contrairement à ma librairie de Toulouse où j'ai des coins morts, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire des recoins où les gens ne vont pas, là en fait tout l'espace est occupé. Et c'est très agréable. Et même quand il y a, on va dire, beaucoup de monde, ça peut être un samedi après-midi, ça arrive, il peut y avoir 20-25 personnes, en fait c'est ultra fluide et les gens sont très très bien répartis sur l'ensemble
du local. Ce qui n'est pas toujours le cas, parfois parce que c'est les rayons qui sont l'un prédomine sur l'autre, parfois parce que c'est juste la géographie du lieu qui empêche d'aller dans certains endroits. Et j'avoue que c'est agréable parce que du coup, les gens se sentent aérés, il n'y a pas d'oppression. En plus, on est dans une rue qui est très passante, mais qui est très silencieuse. Donc voilà, c'est une sorte de bulle où les gens se retrouvent et aiment à rester au-delà de l'achat du livre, quoi, ce qui est quand même le but d'une librairie. Alors nous aurions pu encore parler de l'organisation des rayons, de l'éclairage qui est aussi un vrai sujet en librairie. Ouais. Hélas, le temps nous est compté, donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements et puis je vous invite tous à aller visiter la librairie de la Flèche qui est magnifique. Merci. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on vous reçoit parce que vous êtes la lauréate du prix de la valorisation du fonds. Donc, vous avez repris la librairie Nord-Est en 2018, une librairie qui se trouve à Paris. Donc, avant de parler concrètement de valorisation du fonds, c'était une question que je voulais vous poser, mais qui va nous permettre d'aborder le sujet. Donc, une librairie qui était institutionnelle dans le quartier et même à Paris, comment, quand on la reprend, on lui donne une nouvelle dynamique ? Alors, comment redonner une nouvelle dynamique à une librairie comme Nord-Est ? Ben, c'est pas très facile, enfin, surtout au début. Enfin, Patrick Bousquet, notre prédécesseur, parce que du coup, j'ai repris la librairie avec une amie à moi, Marine Etchekopar-Boutin, donc il y a 4 ans. Et c'est vrai que passer après une personnalité comme ça, c'est pas toujours facile, qui est tellement implantée dans un quartier. Je voudrais rajouter d'autant plus quand on est 2 femmes, plutôt jeunes. Et c'est vrai qu'arriver là-bas a été parfois un peu un... J'ai dû présenter mon CV plusieurs fois auprès des clients un peu institutionnels du quartier qui sont quand même des lecteurs, qui connaissent le monde du livre, le monde de l'édition, qui connaissaient Patrick. Et c'est vrai que j'ai dû plusieurs fois présenter mon CV, leur dire que je venais du divan, que j'étais libraire depuis plus de 15 ans, enfin presque 15 ans. Et c'est vrai que c'était un combat de tous les instants. Mais puis après, finalement, savoir que bah voilà, on est des professionnels, on est rigolote, on sourit facilement, on est curieuse. Finalement, très rapidement, les gens, on s'est totalement adapté dans le quartier. Alors, quand vous avez repris la librairie, vous avez hérité d'un fonds ? On a hérité du fonds. On a hérité des meubles, de tout. Un fonds qui était, en fait, celui d'une librairie générale de quartier. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est une librairie générale de quartier. Donc, c'est bien d'avoir un fonds qui nous correspond, mais ce qui est important, c'est surtout d'avoir un fonds qui correspond à notre clientèle. Après, ce qui peut être difficile, c'est de jongler entre les deux. Moi, j'aimerais vendre que du Sebald, que du Sebald, que du Toni Morrison et autres. Mais parfois, on va me demander Valérie Perrin. C'est peut-être pas ce que je veux, c'est peut-être pas ce que j'aime, mais c'est ce qu'on me demande. Et donc, c'est toujours un métier de tous les instants. Et c'est vrai que, par exemple, en citant par exemple des titres comme Valérie Perrin, quand nous sommes arrivés à la librairie, ils ne mettaient pas du tout en avant les Marc Lévy, Guillaume Musso et autres. Bon, moi, je venais du divan, Guillaume Musso, Marc Lévy, j'ai rien contre, mais c'est pas ce que j'aime. Et surtout, généralement, ça apporte une trésorerie. Or là, au début, je le trouvais un peu snob, en me disant, il abuse un petit peu. Et en fait, très rapidement, pour mon premier affiche de Marc Lévy ou de Guillaume Musso, je me suis rendu compte qu'on n'a pas la clientèle pour ça non psy. Donc c'est vrai qu'après, voilà, c'est aller à contre-courant de ce qu'on pense, de ce qu'on veut, et écouter surtout ce qui se passe dans le quartier. Et alors, ce fonds que vous avez progressivement mis à votre patte, quand même, j'imagine, comment vous le valorisez ? Quelles actions vous mettez en œuvre pour le faire vivre ? Alors, nous, on joue beaucoup avec les vitrines. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouent avec les tables. Nous, on joue plutôt avec les vitrines.
les vitrines thématiques, les vitrines couleurs. On adore les vitrines couleurs. Ça, c'est un peu notre dada et sincèrement, ça fonctionne bien. Une ou deux fois l'an, on prend des livres roses, une vitrine bleue. Généralement, on prétexte une dédicace ou la sortie d'un ouvrage et pof, ça part en toutes les couleurs. Mais sinon, voilà, on privilégie à fond les vitrines, quitte à mettre des livres à l'unité dedans. Elles sont plutôt accessibles, donc ça va, ça se passe plutôt bien. Mais comme ça, c'est tout de suite, c'est vu de dehors. Et c'est vrai que généralement, des livres qu'on n'a pas vendus depuis longtemps, mais qu'on aime beaucoup, il suffit qu'on le mette dans la vitrine et les gens vont arriver. « Ah, excusez-moi, j'ai vu ce livre dans la vitrine. » Et hop, hop, hop. Et en plus, ça recrée une dynamique, ce qui fait que parfois, on peut même les recommander, voire les piler. Et hop, ça fait... Après, parfois, on fait aussi juste des petits coins. Alors, nous, on n'est pas très table dans le sens où on n'a pas beaucoup de tables. Enfin, surtout depuis les travaux, parce qu'on a fait aussi un projet de rénovation. On a rénové la librairie il y a un an. Donc, on a des tables, mais on n'a quand même pas tant de tables que ça. Et donc, c'est vrai que malheureusement, ou heureusement, mais disons qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une table thématique. Après, on a des petites niches dans les rayons suite à la rénovation. Et là, souvent, on fait soit des fonds thématiques, soit des fonds d'éditeurs. Soit un petit coin coup de cœur en mettant que du fond et en laissant de côté un peu les nouveautés. Est-ce que vous liez vos animations avec cette valorisation du fond ? On était tant que possible, oui. Par exemple, alors, on a fait une petite rencontre avec une voisine du quartier qui est kiné spécialisée dans le périnée. Elle avait sorti un petit bouquin chez Marabout. Et donc on s'est dit, tiens, on a fait une vitrine sexe. Donc la première vitrine de la rentrée, par exemple, c'est on a mis en avant son bouquin, voilà le côté, mais à côté on a mis la collection BDQ, du Pierre-Louis, un petit roman coquin, bon, du gentil coquin, on n'a pas vraiment de rien. Mais voilà, parfois on essaie de jouer sur tes thématiques. On avait reçu aussi pour le lancement d'un livre sur Mary MacLaine il y a 2-3 ans, 3 ans je crois, peut-être 4 ans, enfin un peu de temps après notre arrivée. Là c'était un livre rouge, donc c'est là qu'on avait fait notre premier test vitrine colorée. Et voilà, donc là, on avait essayé de faire rouge et féministe en même temps. Bon, là, c'était un peu plus touchy. Donc après, on a été sur le côté rouge. Mais de temps en temps, oui, on essaie justement. Bah, on a fait une vitrine, on a reçu Luc Chomara pour son nouveau petit bouquin chez Marest. Pop, vitrine cinéma. Et c'est vrai que ça a pimpé le rayon cinéma du Feu de Dieu. Mm-hmm. Et ça, c'est cool. Enfin, surtout parfois, c'est quand même des rayons qui sont un peu cachés. Et alors ces vitrines monochromes, comment vous les composez concrètement ? Alors concrètement, alors généralement on essaie de trouver un arrière-plan, donc enfin un papier cadeau rouge, papier cadeau jaune, des choses comme ça pour faire le fond. Et après donc on met la pièce centrale au milieu. Et après le but du jeu, c'est de trouver un livre qui correspond à la couleur et qu'on aime. D'accord, mais quelle que soit sa thématique ? Quelle que soit, on peut passer du livre de cuisine à un livre de littérature, à un essai obscur en cinéma, un livre jeunesse. Par exemple, en cuisine, les petits épures, c'est nickel chrome pour ça, ça c'est parfait. Toujours un petit épure qui correspond à la bonne couleur. Mais voilà, justement, c'est un côté un peu joueur, parce que finalement, par contre, faut qu'on le connaisse un minimum et qu'on l'aime bien, quoi. Donc ça peut être pas forcément... connaître ce titre, mais par exemple, un petit texte d'Ypsilon qu'on n'aura peut-être pas lu, mais on adore la maison d'édition Ypsilon. Donc voilà, même s'il n'est pas forcément lu, on sait que concrètement, il y a de fortes chances que ce soit quand même un bon texte. Mm-hmm. Et justement, ça relance. Mais là, c'est des paris, mais ça marche bien en général. C'est rigolo. En librairie, une nouveauté chasse l'autre. Enfin, c'est un peu le principe, malheureusement. Et on sait bien que faire vivre un fonds, et ne serait-ce que l'avoir et le faire vivre par la vente, mais aussi par sa mise en scène, c'est parfois difficile. En plus, les rotations sont souvent plus lentes. Comment vous faites, vous, concrètement, pour faire vivre ce fonds-là ? Alors, c'est franchement, faire vivre le fonds au quotidien, c'est vraiment pas facile. En grand format, c'est très compliqué. Donc c'est se dire que celui-là, il va aller rester là et il ne bougera pas. C'est-à-dire qu'il sera toujours pilé. C'est plus facile avec du petit format, avec du poche. Mm-hmm. Là, par exemple, la table d'été, c'est très simple. Je pense qu'il y a la moitié de nouveautés. Je pense même qu'il y a un tiers de nouveautés et deux tiers de poche, de fond. On a vraiment été piqués dans nos coups de cœur, du fin fond de ce qu'on aime. Mais c'est vrai que non, enfin, la surproduction, parce que je n'ai pas envie de parler de production, parce que ce n'est pas vrai, mais la surproduction freine vachement la mise en avant de vrais fonds. Quoi. C'est très, très compliqué. Tout à l'heure, il y avait dans les statistiques ce matin où ils mettaient que le fonds de plus de 3 ans était vachement en hausse et tout ça. Donc, c'est vachement intéressant. C'est bien, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir faire ça plus facilement avec du grand format. Et nous, c'est vrai que ce qui nous permet ça, c'est faire des petites niches. Mm-hmm. C'est qu'on a des titres qui sont toujours en pile. D'accord. Que vous
Marley. Ouais, c'est nos gros coups de cœur incontournables. Ils sont toujours quasiment là. Mm-hmm. Ils vont en caisse, parfois ils vont dans la petite niche, parfois ça dépend un peu des formats, tout ça, mais on est un peu, il y a un côté monomaniaque. Après, c'est vrai qu'on a aussi, on a une tendance parfois un peu à se lasser, entre guillemets, de notre côté monomaniaque. Donc on change par un autre monomaniaque. C'est ça, c'est qu'il y a quand même aussi, parfois le fond peut être aussi un peu interchangeable. Oui, donc voilà, on le remet en rayon et dans 2 ans, il remettra devant. Enfin, d'accord. Il y a toujours un petit jeu de chaise musicale. Ok. Vous parliez tout à l'heure de vos travaux, donc vous avez fait... On a refait toute la librairie. Bah, d'ailleurs, à la base, c'était plutôt pour la rénovation qu'on... qu'on allait plutôt que sur la valorisation du fonds. Mais justement, quand vous avez fait vos travaux et vous avez conçu votre mobilier, si vous l'avez conçu, mais il me semble que oui, hein, est-ce que vous aviez, vous avez pensé à la mise en valeur du fonds, des livres, dans le mobilier? Bah justement, oui. Enfin, il y avait ce côté, ces petites niches. Pareil, alors ça, on avait piqué ça chez d'autres libraires qui avaient été créés dernièrement. Enfin, c'est... Pareil, enfin, on a vraiment pensé à la mise en avant des titres. Donc, par exemple, donc ces fameuses petites niches, en gros, à hauteur, en fait, on a mis la partie basse, il y a une petite avancée qui permet de faire des facings et des aplats de livres. Et après, les étagères hautes sont plus fines, ce qui permet de faire en gros, ça fait un truc comme ça. Donc ça, pour le coup, ça permet de bien mettre en avant les livres. On a un système d'éclairage aussi dans ces niches, ce qui fait qu'on ne voit qu'elles. Et après, pareil, toutes les étagères sont amovibles. C'est ça qu'on a piqué aux voisins, aux copains. Ce qui permet, par exemple, l'été va arriver, enfin l'été est même là, le mois d'août va être un peu vide, ça nous permet de jouer avec les étagères afin justement de pouvoir mettre des facings, alors qu'habituellement c'est du linéaire. Et donc du coup en profiter pour... Parce que généralement, c'est toujours ces livres de fond qu'on met en avant. De toute façon, c'est pas là qu'on va sortir les nouveautés. Et il y a toujours, de toute façon, un moyen de mettre devant les livres, devant les étagères, ces petits bouquins qu'on aime bien. Le fameux qui retourne à l'unité, en fait, il n'est pas à l'unité dans les rayons. Hein. Il est mis en facing dans le magasin. Est-ce que, je ne sais pas si vous pratiquez ça, l'écriture de coup de cœur. Hein. Si. Est-ce que ça aide aussi à faire vendre et donc à faire vivre le fond? Oui, là, encore même, il y a 2 jours déjà, il y a un client qui disait « Ah, c'est quand même bien ces petits mots, hein. C'est quand même bien pratique ». Mais c'est vrai que déjà, ça nous permet d'être là, même si à un moment, on n'est pas disponible, parce qu'on est avec quelqu'un, parce qu'on est en train de faire de la comptabilité, parce qu'on est absente, parce que c'est notre jour de repos, enfin, peu importe. Mais non, les coups de cœur... D'ailleurs, notre prédécesseur ne le faisait pas, parce que lui, il trouvait que ça faisait perdre le lien avec le client, ce que je peux entendre. Mais j'avoue que je pense que non, ça peut aussi en créer, au contraire, parce que le client peut voir ce petit mot, se dire « Ah, c'est vous qui l'avez lu, ah, ben, j'ai bien aimé », ou au contraire « Ah bon ?» Vous pensez vraiment ça? Parce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et du coup, ça crée un dialogue, une discussion, et généralement, ça ne peut être que positif. L'année 2022 arrive après 2 ans exceptionnels, donc forcément, elle est un peu plus compliquée économiquement. Comment vous voyez les choses pour la suite? Et surtout, comment vous faites pour aborder une période un peu moins faste? Ben alors, pour être honnête, nous, elle n'est pas si moins faste. Parfait. Voilà, du coup, il y a les travaux, je pense, ont vraiment aidé. On a récupéré pas mal de clientèle. Alors, je pense que le contexte extraordinaire de l'an dernier, plus les travaux, ont fait que d'un coup, on est super visible, en fait. Et on a beaucoup travaillé la lumière dans les projets de rénovation. Mm-hmm. Et plein de gens, « Ah, ça fait combien de temps que la librairie existe ?»« Bah, ça fait 26 ans. » Et en fait, on leur dit, par contre, on a fait des travaux il y a un an. Et c'est vrai que bah, du coup, nous, c'est pas, on est en très léger positif sur le début d'année, ce qui, je crois, n'est pas trop le cas de tout le monde. Mm-hmm. Donc pour le coup, on est plutôt optimiste, on va dire. Enfin, on touche du bon. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Félicitations pour ce prix, même s'il n'était pas... Ah mais la valorisation du fonds, c'est très bien. Hein. Surprenant. Plus surprenant. Et que cette librairie de quartier continue à vivre avec ses belles vitrines monochromes et son fonds. Merci. Merci beaucoup.
Mathieu Rondeau, vous êtes avec nous parce que vous avez été récompensé pour une librairie que vous avez créée en janvier 2021 à Paris, qui est une librairie entièrement consacrée au grand caractère. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez eu l'idée de créer cette librairie qui s'intitule, je crois, Grand Caractère ? Alors, ça s'appelle la librairie des grands caractères. C'est situé à côté du Panthéon, à deux pas du Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris, dans le quartier historique du centre de Paris, dans une toute petite rue qui est la rue La Place, et dans un très très beau bâtiment avec des poutres, des pierres apparentes. Voilà, on a eu la chance d'avoir ce cadre-là. Alors, à l'origine, je suis également éditeur de livres en grand caractère. Alors, on dit grand caractère ou gros caractère, je trouve que grand caractère, ça fait nettement plus joli. Donc, je suis éditeur sur une maison d'édition qui s'appelle À Vue d'œil, que j'ai racheté avec un de mes associés il y a maintenant 5 ans et demi. À l'époque, ça faisait donc 4 ans que j'étais éditeur en grand caractère. Et on a eu l'intime conviction que les gens avaient besoin d'aller en librairie, d'être confrontés de nouveau aux livres physiques, de pouvoir les toucher, de pouvoir lire une quatrième de couverture, d'être là à travers des livres et de pouvoir regarder les nouveautés, les différents genres et papillonner comme dans n'importe quelle librairie alors qu'ils ont un handicap, qui est un handicap invisible que très peu de gens voient, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, qui est la malvoyance. On était persuadé qu'il y avait un besoin, parce que une personne malvoyante n'avait le choix de lire que s'il allait en bibliothèque, avec un choix restreint. Quelques librairies en France avaient des rayons qui étaient très très restreints et l'offre globale n'existait pas. L'offre globale, elle n'existait que sur Internet. Or, une personne malvoyante et Internet, c'était un petit peu compliqué. Puis également, ils ne savaient pas ce que c'était réellement le grand caractère. Parce que le grand caractère, ce n'est pas juste un agrandissement, ce n'est pas une police qu'on agrandit. On ne prend pas n'importe quel livre, on la met à la photocopieuse et on dit voilà, ça devient du grand caractère. Le grand caractère, en fait, le livre est entièrement recomposé. Les typographies sont changées, les interlignages, l'espacement entre les lettres, entre les mots, tout est optimisé. Et même de temps en temps disproportionné par rapport à une édition traditionnelle. Et ensuite, toute la fabrication, le papier doit être opaque, il doit être léger, c'est des papiers qui sont très fins, très bouffants avec des injections d'air, tout le monde le sait, dans la profession, sans rentrer dans la technique, on injecte de l'air pour que le papier soit bouffant, donc c'est des papiers qui sont des papiers de 65 grammes, 55 grammes, avec des mains de 2, pour vraiment avoir une opacité et pour que ça reste léger. Il ne faut pas oublier qu'un livre en grand caractère, c'est 50% de plus de pages. Donc 50% de plus de pages, il ne faut pas que ça soit 50% de plus en poids. Donc il y a des prouesses un petit peu techniques pour que le livre en fait, ne représente que 10 à 15% de plus en poids par rapport à l'édition d'origine. Le livre en grand caractère, pour ceux qui ne connaissent, parce que c'est méconnu, voire inconnu. Le livre en grand caractère, l'éditeur à grand caractère va acheter en fait, les droits de publication auprès des éditeurs premiers. Et ensuite, va récupérer comme le livre de poche, mais au lieu de le faire en petit format et petit caractère, il le fait en grand format et grand caractère, mais dans des critères très précis. Parce que, juste un exemple, une édition à grand caractère ne peut pas être en Times ou en Garamond. Malgré que le Garamond, c'est une police utilisée partout dans l'édition, qui est une très belle police, malheureusement, le plein et le délié, une personne malvoyante, même si le caractère est agrandi, en fait, le délié disparaît. Donc, il va, au lieu de lire, par exemple, dès maintenant, il va lire clé maintenant. Parce que le D, en fait, devient pour lui un C et un L. Donc, il peut confondre un E avec un C. Enfin, c'est à chaque fois
plein de problèmes, en fait, pour une personne malvoyante. Donc, c'est à l'origine, voilà, on savait qu'il y avait un besoin, on savait que les lecteurs étaient là, qu'ils avaient une envie. Et en fait, on s'est aperçu que c'était ce qu'on pensait être ce besoin. En fait, on l'avait totalement sous-estimé. C'est le besoin, il est énorme. Et je peux vous dire qu'une chose, c'est qu'en fait, c'est la première fois de ma vie où j'ai l'impression d'être utile. Et c'est une chose qui est vraiment très importante pour moi maintenant. Parce que c'est vraiment, les gens arrivent, vous remercient d'avoir ouvert cette librairie, vous remercie d'avoir autant de livres, même s'il y en a beaucoup moins que dans une librairie normale. On n'a même pas 1000 livres à proposer. On est vraiment, on est à l'inverse de n'importe quel libraire qui, lui, doit faire des choix pour que sa librairie propose à la fois un public très large, mais avec peut-être des spécificités qui lui sont propres. Nous, nos spécificités, elles sont techniques. Il faut que les éditeurs qui arrivent et qui nous proposent des livres, que ces livres soient conformes à des critères, en fait, de lecture, pour que la personne puisse déchiffrer la lettre le plus rapidement possible, donc le mot, comprenne que le mot s'arrête puisque l'espace est légèrement plus grand, et qu'il puisse avoir une lecture fluide, et donc la compréhension du texte. C'est aussi simple que ça. Il faut que la personne puisse, pour rentrer dans un texte, il faut qu'il y ait une lecture fluide. Si on annonce mot à mot, on perd le sens de la phrase, on perd le sens du texte. Et donc on abandonne. Voilà. Et donc là, c'est vraiment ce critère de technique de lecture qui est notre critère unique, en fait. Pour le moment, je rêverais d'avoir 6000 livres à proposer et que je puisse faire... ma sélection en disant non, ça j'aime moins, tel auteur, c'est pas tout à fait ce que j'aime, etc. Non, c'est, pour le moment, c'est je prends tout. Je prends tout et j'essaye de proposer un maximum. C'est-à-dire qu'on est plutôt même dans la démarche d'aller voir des éditeurs et de leur dire, est-ce que vous ne voulez pas vous lancer dans le grand caractère? Alors, ce n'est pas des grands éditeurs, parce que c'est les grands éditeurs eux-mêmes vendent donc aux éditeurs spécialisés. Mais c'est des petits éditeurs qui sont par exemple des éditeurs, je n'avais pas de livre de spiritualité. Et j'ai un tout petit éditeur qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, je voudrais proposer des livres sur la spiritualité. Donc il a commencé avec un, et donc on l'a aidé à faire ce livre pour qu'il nous a envoyé les premières épreuves. On a fait même pas des tests parce qu'on voyait ce qu'on arrivait à lire et ce qui était dans nos critères. Et donc, en fait, c'est vraiment... voilà, on va pousser à ça. Vous avez les éditions Palémon, qui est un éditeur breton, qui fait du polar, qui a une auteure qui est malvoyante, qui s'appelle Aline Duret. Et elle a expliqué à Palémon que son handicap. La directrice de Palémon nous a contactés. Et elle propose maintenant 8 livres. Et elle a un programme sur plusieurs années où elle se lance dedans. Donc c'est pas des gros éditeurs, c'est des petits éditeurs qui vont faire eux-mêmes leurs livres. Il y a Passiflore également dans le Sud-Ouest qui au départ avait commencé des grands caractères. On leur a expliqué qu'en fait ils s'étaient trompés en fait dans la technique. Ils ont réajusté le tir. Leur dernier livre en fait est disponible à la librairie parce que en fait voilà ils rentrent dans les critères. C'est vraiment en fait quand j'expliquais tout à l'heure la typographie en fait est essentielle. On parlait du Garamond. Mais vraiment, dès que la typographie se touche, dès qu'elle a des pleins dédiés, les patins, etc., ça apporte plein de problèmes, en fait, au décryptage, en fait, de la lettre. Et donc, en fait, il faut le bannir. Donc, vous avez des éditeurs
qui ont utilisé de l'Arial, de l'Helvetica, du Muséo, etc., pour faire leurs livres. Et vous avez une typographie qui est sortie il y a maintenant 2 ans, qui s'appelle la typographie Luciole, qui a été développée avec un studio qui s'appelle typographie.fr et l'université de Lyon 2, l'université Louis Lumière. Et ils ont développé en fait en 2 ans, de mémoire, ou 4 ans, je ne sais plus, cette typographie-là, qui est une typographie pour malvoyants. Et au fur et à mesure, les éditeurs maintenant s'y mettent. Et c'est vraiment important. C'est-à-dire un livre en grand caractère qui est mal fait, c'est retirer ce titre à la personne malvoyante. Parce que l'éditeur premier pense, à juste titre, qu'il a fait les bonnes choses et qu'il a vendu ses droits à tel éditeur. Si le livre est mal fait, en fait, bah, le livre est gâché, le titre est gâché, l'auteur est gâché. Enfin, personne ne peut le lire. C'est soi-disant grand caractère. Et en fait, il reste dans les rayonnages des bibliothèques et des libraires, avec même pire que ça, des gens, et moi je le vois dans la librairie, malvoyants, qui arrivent en me disant « je n'arrive plus à lire même le grand caractère. Sauvez-moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Et donc on a un fauteuil, une lampe basse vision, voilà, on les installe, on les décontracte parce que ils sont stressés même de se dire « ça y est, je ne vais pas y arriver ». Et au fur et à mesure, on a estimé certains livres qui sont plus ou moins bien faits. Et vous avez des gens qui arrivent en disant je n'arrive plus à lire même le grand caractère, et qui arrivent à lire parfaitement avec ce type de typographie-là des grands caractères, on va dire intermédiaires. C'est-à-dire, alors, le grand caractère, c'est un corps minimum de 16. 16, c'est 6 mm de haut. Ça va jusqu'à 25. Ce qui fait plus d'un centimètre. C'est vraiment, vous avez des livres, quand je vous dis c'est 50% de plus de pages, c'est des vrais pavés. Surtout avec des papiers bouffants, ça devient d'autant plus des pavés. Et c'est vraiment et donc les gens viennent et vont pouvoir lire. Et repartent, et après repartent avec, quasiment avec une petite note en disant, j'arrive à lire à partir de tel caractère. Et donc, à partir de là, ils vont même, pour les personnes âgées, dire à leurs enfants, si vous voulez m'acheter des livres, c'est à partir de c'est tel corps, tel voilà, parce qu'ils savent qu'ils arriveront à lire. Voilà. Merci beaucoup. Le sujet est passionnant, mais le temps file vite. Merci à vous et surtout bonne continuation dans votre librairie qui, j'espère, va continuer à grossir. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Stéphane Barbet, bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui puisque vous êtes lauréat dans la catégorie création du Grand Prix Livre Hebdo et des librairies. Donc vous allez nous parler de la librairie du Vol dans les Plumes qui a ouvert en octobre 2021 à Brunoy. C'est ça. Alors c'est une création un peu particulière puisqu'elle est faite, elle répond à un appel d'offres de la mairie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça s'est déroulé? Ah bah oui, je peux. En fait, ça s'est déroulé de la façon suivante, c'est-à-dire que moi je cherchais depuis 1 an à 2 ans, je cherchais à reprendre ou créer une librairie, j'avais vu plusieurs dossiers, et puis un jour un copain m'appelle, il était au courant de mon projet,
Et il me dit, t'as vu, sur le site de la mairie de Brunois, il y a un appel à candidature, pour ils cherchent un porteur de projet. Et donc je suis allé voir à Brunois, parce que dans le paquet cadeau, en fait, il y avait un local qui est placé en hypercentre de la ville de Brunois. Et moi, alors, quand j'ai vu deux choses. J'ai vu la ville telle qu'elle était, telle qu'elle se présentait, avec un contexte architectural très intéressant, un patrimoine naturel très intéressant. Enfin, voilà, je m'y suis senti bien. Donc intuitivement, je me suis dit, tiens, je me verrais bien faire quelque chose ici. Et après, quand j'ai vu le local, je me suis dit, oui, effectivement, il est très bien placé. Belle surface de vitrine, dans la rue commerçante, sur une place, un peu en promontoire vis-à-vis de la place. Et donc, ça cochait les cases de ce que je cherchais. Et puis, avec une aide de la mairie qui avait déjà commencé par préempter le local. Ils ne voulaient pas que ce soit une agence bancaire. Ils ne voulaient pas que ce soit, un audioprothésiste ou un vendeur de téléphone ou que sais-je. Ils voulaient un commerce un peu chaleureux. Et alors, le fait que de répondre à un appel d'offres, un appel à candidature d'une mairie, qu'est-ce que ça change dans la création d'une librairie ? Alors, ce que ça change, pour moi qui étais quelqu'un qui ne connaissait pas du tout ce territoire-là, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans l'insertion du tissu local. Ça permet aussi d'imaginer qu'on aura du soutien sur les politiques culturelles, donc de s'insérer dans les initiatives, d'être mis en contact aussi avec les gens qui sont porteurs de la vie culturelle locale. Et puis, des relais de communication aussi, évidemment. Et puis, alors je le dis dans le désordre, mais aussi une participation au chantier, puisque le chantier était assez important. Ce n'était pas du tout une librairie auparavant. C'était un commerce qui avait quand même quelque chose comme 40 ans d'existence et que moi, je voulais complètement remanier. Il fallait vider complètement le lieu et puis recommencer, en fait, d'une certaine façon. Et est-ce que la mairie s'est insinué, mais le mot est mal choisi, dans votre projet sur l'assortiment, l'aménagement du local, est-ce que vous étiez entièrement libre ou est-ce qu'elle elle a eu des desiderata En fait, moi, je pense que j'ai eu énormément de chance parce que la mairie nous a fait une confiance aveugle. Elle n'est pas du tout intervenue sur l'assortiment, pas du tout sur le design, pas du tout sur le nom de la librairie. Enfin, en fait, ils m'ont fait une confiance assez, assez aveugle. Bon, je pense que j'avais remis un dossier aussi qui était convaincant, qui abordait tous ces sujets-là, était abordé aussi, et ça commençait déjà à donner une tonalité. Une personnalité à la librairie. Et par ailleurs, avant l'ouverture, nous, on s'est beaucoup associé, on a associé la ville. C'est-à-dire que 4 mois avant l'ouverture, en juillet, on a ouvert en octobre, on a fait une visite de chantier, par exemple. Alors, il n'y avait absolument rien à voir. Il y avait juste des plaques de plâtre et puis des bouts de peinture à droite à gauche. Alors, on avait tracé le nom des rayons sur les murs pour qu'ils aient une représentation de ce que ça pouvait donner. On avait demandé à tous les Brunoyens d'inscrire sur le mur avec un marqueur leur livre préféré, par exemple. Donc on en a récupéré une centaine. Et on a fait voter les visiteurs aussi sur cette journée-là. Donc le 10 juillet dernier, on a fait... 10 juillet 2021, on avait 4 noms possibles pour la librairie et on les a fait voter. Et c'est le nom qu'on préférait, nous, qui est sorti. Parce que sinon, évidemment, on aurait truqué le scrutin. On a été vraiment... Et puis surtout, on a eu 200 personnes sur une journée pour visiter un chantier, en fait. Mais parce que les gens étaient au courant, la mairie avait déjà commencé à communiquer sur le fait que la librairie allait ouvrir, qu'ils avaient trouvé un candidat et tout ça. Donc, en fait, on a marché main dans la main avec la municipalité, avec l'équipe municipale. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Et ça se passe toujours très bien, d'ailleurs, en fait. Voilà. Et donc, c'est la mairie qui est propriétaire du local ? Alors, la mairie, non, elle loue, hein, propriétaire privé. OK. Mais elle possède le...
elle possède le droit au bail, je crois. Faut que je révise. Moi, j'ai le bail commercial et eux, ils ont le droit au bail. D'accord. Est-ce que ça veut dire que pour les loyers, ils ont fait aussi un effort? Enfin, en général, c'est le principe. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a une échelle variable en fonction du chiffre d'affaires, justement pour nous permettre de démarrer. Et on s'est mis d'accord sur une progression du loyer au fur et à mesure des années. Donc Brunois se trouve dans la grande couronne sud de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'ouvrir une librairie dans une ville comme Brunois? Ça veut dire que rien n'est impossible. Ça veut dire qu'on a un bassin de population, nous, qui est quand même... Alors Brunois en propre, c'est 26 000 habitants, donc c'est pas mal, hein. Mine de rien, si on regarde la répartition en France du classement des villes, petites villes, moyennes, grandes villes, c'est pas mal, 26 000. Et puis surtout, on a un bassin de population qui est autour de 60 000 personnes, parce qu'on a des communes autour qui sont, elles, pas du tout équipées en librairie. Et donc, ça veut dire qu'il y avait un trou, en fait. Et globalement, par rapport aux résultats qu'on obtient, nous, en termes de clientèle, on est au-dessus de nos prévisions pour l'instant. Enfin, ça se passe vraiment très bien. Donc ça veut dire qu'il y avait clairement un trou, quoi. Pour résumer en un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Un trou. Donc il y avait de la place. Il y avait de la place. Alors justement, depuis l'ouverture, donc octobre, ça fait 8 mois quasiment. Oui. Quel accueil vous avez reçu? Et puis, comment se passent les relations avec la municipalité? Alors, avec la municipalité, ça se passe parfaitement bien. Monsieur le maire, quand il fait visiter à certaines personnes qui l'accueillent, il passe souvent à la librairie, parce que je pense que l'équipe municipale en est fière, et je pense qu'ils ont raison. Et puis surtout, après, vis-à-vis de la clientèle, enfin vis-à-vis des amateurs de livres, on est vraiment très bien accueillis. On a d'abord, parce qu'il y avait une vraie attente, donc notre pré-ouverture qu'on avait faite 5 mois avant de démarrer ou 4 mois avant de démarrer l'avait montré. On le savait, moi on me l'avait dit, mais on a pu le vérifier. Donc ça, vis-à-vis de la collectivité, vis-à-vis de la municipalité, non, ça se passe vraiment très bien. Et je voyais dans le dossier que vous avez fait pour le prix, que vous avez, alors là on est vraiment dans l'aménagement de la librairie, que vous avez attaché une importance particulière à la circulation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? En fait, on voulait d'abord mettre en valeur le local qui est en forme de L. Donc quand on passe la porte, on a deux perspectives, puisqu'on rentre par le coin du L. Et donc, on a dégagé cet espace-là. Déjà, on n'a pas voulu le saturer. D'ailleurs, parce qu'en termes de circulation de personnes à mobilité réduite, ça aurait été difficile. Mais donc, on a voulu travailler sur les deux perspectives. Et puis après, que les gens se sentent attirés par une aile ou une autre. Que les gens puissent circuler, se croiser assez facilement. Et puis aussi que ce soit partout aux normes PMR. En termes d'espace, on a aussi, on avait une branche du L qui était une partie du local qui se trouvait sous une sous-pente, mais qui n'était pas exploitée auparavant et qui avait un plafond complètement occulté. Et nous, on a, c'est une partie où il n'y avait pas de fenêtre, mais on a décidé de démonter le plafond et de mettre la sous-pente, de la couvrir, la sous-pente, et de l'ouvrir avec. De Velux qui donne une lumière justement à cette partie du L qui était plutôt une grotte au départ et qui aujourd'hui est un point lumineux vers lequel on va de manière très spontanée. Donc les circulations, c'est aussi bien de l'espace que de la lumière en fait. Écoutez, je pense que ce prix que vous avez reçu, vous allez sans doute, en tout cas votre municipalité va sans doute vous attendre avec, et vous allez peut-être le partager avec eux. En tout cas, félicitations pour ce prix et puis pour cette initiative, et longue vie au vol dans les plumes. Merci beaucoup, merci à Livre Hebdo aussi, et puis au SLF, enfin à tous les gens qui nous ont aidés, l'ADEL, que la région, enfin il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, la DRAC, voilà, merci.
Tarana, votre librairie, le Millefeuille à Madagascar, a été couronnée par le jury dans la catégorie librairie francophone hors de France. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots l'histoire de cette librairie ? Bonjour. Donc, la librairie Millefeuille, la librairie café plus exactement, a été créée en décembre 2015. Suite à mon rachat de l'ancienne librairie, c'était une ancienne maison de la presse, et que j'ai transformée en librairie café. Donc, j'ai multiplié la surface par 5, et à l'époque, j'avais très envie d'un concept nouveau, parce qu'à Madagascar, on a du mal à rentrer dans les librairies. Donc, je voulais vraiment quelque chose de très, très convivial, très accueillant. Pour que les gens puissent pousser la porte de la librairie facilement. On est au bord de la route, on est en plein centre-ville. Et ma clientèle, elle est composée de malgaches, on va dire classe moyenne et classe supérieure. Donc, voilà, c'est une petite équipe de 4 personnes qui gèrent la librairie. Votre stratégie commerciale repose en partie sur les animations. C'est un choix délibéré de votre part ? On fait des événements, des cafés littéraires, on a même fait un café tango où on dansait le soir. J'ai beaucoup aimé ce qu'on faisait, on faisait des soirées sur des chansons à thème. Et puis, des soirées où les lecteurs venaient partager leur lecture et je découvrais aussi des livres auprès de mes lecteurs. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait aussi des événements pour la jeunesse, donc des ateliers de loisirs créatifs, des ateliers théâtre. Et puis ces derniers temps, ce qui me tient à cœur, c'est beaucoup sur le thème, c'est des cafés citoyens, adultes et enfants, adolescents. Beaucoup sur l'environnement. J'aime sensibiliser la jeunesse sur le zéro déchet. Au niveau du monde adulte à Madagascar, on bataille aussi sur l'interruption thérapeutique de grossesse. Donc j'accueille des conférences sur ce thème, mais aussi sur d'autres thèmes. Donc moi, ma ligne, c'est surtout permettre aux gens d'entrer dans une librairie. On est vraiment, vraiment, je tenais à ce que la librairie soit un lieu simple, un lieu très, très convivial et surtout pas élitiste. Et on vient échanger, on vient échanger. Au départ, j'avais même un coin où je mettais des livres à disposition du public. C'est-à-dire que le public venait avec un livre, en prenait un, venait le rapporter, pouvait en prendre un autre. Malheureusement, au bout de 6 mois, j'ai perdu la moitié des livres. On met un peu de temps pour comprendre que les livres, il faut aussi les ramener pour que les autres en profitent. J'ai arrêté un petit peu ce système-là, mais peut-être le refaire avec une armoire fermée et puis avec des heures pour ceux qui veulent venir échanger. Voyez, Rana, décrivez-nous le monde du livre à Madagascar. Le monde du livre est assez pas compliqué, mais enfin si, c'est assez compliqué de manière économique, en tout cas à Madagascar. On a une chaîne du livre qui n'est pas très bien structurée comme en France. Et puis bon, on est juste à 10 000 km hein, de la France, avec le prix du fret actuel, c'est pas évident. On est loin, on voit bien dans les délais de livraison qu'on est loin. Donc on fonctionne vraiment comme une librairie très loin de la France. Mais on est content. Vraiment, je suis très contente de vendre du livre francophone à Madagascar. Nous ne sommes pas très nombreux, mais
On est un petit groupe rassemblé dans une association et on se bat pour le métier de libraire. On se bat pour défendre nos intérêts et surtout pour que la lecture se fasse de plus en plus aisée et à la portée du plus grand nombre. Voilà ce que je peux dire en attendant vos questions. Quel rapport entretenez-vous avec les autres librairies francophones en France et hors de France? Oh oui, je suis très 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 demandeuse. Alors j'ai adhéré à l'AILF, l'Association internationale des libraires francophones, justement pour moins ressentir l'isolement, parce qu'on ressent vraiment l'isolement. Et nous échangeons effectivement avec quelques libraires du monde francophone hors de France, mais je serais vraiment très demandeuse aussi d'échanger avec des libraires français, des libraires en France, pardon. Et je n'ai pas trop l'occasion de le faire. La composition de l'assortiment est toujours une affaire délicate pour les librairies francophones hors de France. Dites-nous quels sont vos besoins sur ce domaine. Alors, pour des besoins très spécifiques aussi, d'ailleurs, autrefois, on recevait des SP, on disait. Et justement, depuis peu, on n'en reçoit plus du tout, ce que je peux comprendre, du part du fret, c'est aussi du choix des éditeurs, probablement. Mais je veux bien échanger avec des librairies en France surtout au niveau des... Parce qu'en, alors moi, je fais très peu de grands formats parce que ça revient trop cher et j'attends que les titres sortent en poche. Donc, je fais très, très peu. Bon, ça arrive que il m'arrive d'en faire. Mais en échangeant avec des libraires en France, il y a une astuce qui nous aiderait bien, c'est déjà... de nous aider à... parce que eux vont découvrir les pépites avant nous, puisque ils lisent en grand format. Moi, j'attends de pouvoir lire en poche. C'est vrai que je lis beaucoup livrette d'eau, donc j'ai des informations, mais oui, je suis très demandeuse d'astuces entre professionnels. On sait l'économie des librairies fragiles, elle l'est d'autant plus pour les librairies hors de France. Comment faites-vous pour assurer la pérennité de votre librairie? Je colle beaucoup à l'actualité, au phénomène de mode, donc beaucoup les réseaux sociaux. Il faut toujours coller à l'actualité et créer des posts qui concernent les lecteurs, qui concernent... Je fais toujours le lien entre ce qui se passe dans la vie quotidienne et un livre de la librairie. Si c'est par exemple, si c'est la journée mondiale de l'eau, eh bien, je vais faire un post pour dire que voilà, nous avons tel et tel livre, surtout sur des sujets qui ne sont pas très courants. Surtout quand c'est des titres qui ne sont pas les top 20 ou les top 100, ceux qu'on voit très souvent comment on peut dire, chez les grands, comment on appelle ça, les grands distributeurs, comment on appelle ça. Et quand j'ai envie de parler de livres plus spécifiques, je les lis vraiment à une actualité. Donc, toujours communiquer, vraiment. Et comme c'est beaucoup les réseaux sociaux, en tout cas ici, j'utilise beaucoup cela, vraiment. Qu'est-ce que je peux dire encore après sur la longévité? Moi, ce que je fais, c'est que je récompense mes fidèles lecteurs, mes fidèles acheteurs. Je les récompense en offrant des livres et vraiment ils sont contents parce que ici l'achat d'un livre c'est vraiment un gros effort,
Donc, avant, on avait des cartes de fidélité. Maintenant, on a informatisé cela et on a instauré vraiment cette récompense des meilleurs, des fidèles lecteurs. Et on maintient comme ça un niveau de lecteurs et de ventes. Alors après, est-ce que ça va suffire pour la survie d'une librairie? Pour moi, en tout cas en ce qui concerne Madagascar, c'est vraiment plus l'économie générale du pays qui est problématique. Donc, c'est plus un choix de l'entrepreneur de décider s'il continue ou pas, même en étant déficitaire. Pour moi, c'est un métier de passion, hein, bien plus qu'autre chose. J'ai pu continuer pendant le Covid, j'ai pu continuer à être libraire alors que je n'étais plus payée. Donc pour moi, c'est vraiment un métier de passion où on décide ou non de le faire. Voilà. Merci Wairana et bonne continuation à Madagascar et au plaisir de vous croiser ici en France. Au revoir, chers libraires, chers autres acteurs du livre qui suivaient cette webinaire. À bientôt, peut-être à Madagascar, qui sait. Je vous attends dans ma librairie. Soazic, bonjour. Vous êtes ici parce que vous êtes lauréate d'un prix un peu spécial qui n'est pas décerné chaque année, qui est le prix coup de cœur du jury. C'est un prix qui vise à récompenser une librairie qui, comme le Grand Prix, coche toutes les cases avec une mention spéciale. Donc cette année, c'est vous pour l'Affranchie, une librairie à Lille. Alors une librairie avec un assortiment un peu particulier, peut-être même unique, puisque au départ c'était une librairie spécialisée dans les arts du spectacle, que vous avez progressivement, alors on va dire à laquelle vous avez progressivement ajouté une autre spécialité. Les féminismes. Donc je vous laisse en dire quelques mots. C'est ça. La franchise, c'est une aventure très personnelle et très collective. C'est-à-dire que il y a un jour dans la vie d'une femme où un livre vient un petit peu confronter une vision du monde, une colère incessante, des engagements qui sont un peu naissants comme ça, et où on se dit en fait le livre a tout changé et donc toute la perspective de la librairie a changé. Non pas mon amour du théâtre et de la poésie, ça c'est toujours constant et ce sera pour toujours des rayons hyper importants pour moi. Mais les féminismes, c'est tout ce qui vient chapeauter en fait toute la sélection de la librairie. C'est-à-dire que notre regard est constamment vers ses engagements, vers une librairie qui compte bien en découdre en fait avec la domination masculine, les inégalités de genre, les injustices constantes, le racisme, le validisme, enfin tout ce qui en fait est bien souvent mis sous la carpette parce que ben attention c'est pas politiquement correct et ben, nous on s'y attaque et on y va avec le grand sourire en plus. Alors, ce qui a séduit aussi le jury, ce sont vos animations qui sont liées intimement à la catégorie services innovants qui figure dans le Grand Prix, mais les deux sont intimement liées. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, les animations en fait à la librairie, ça a vraiment été une façon pour moi de en fait se réveiller, revitaliser en fait une librairie qui était assez ancienne quand je l'ai reprise, qui manquait d'un public jeune et dynamique.
Et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans mes spécialités, c'est qu'on puisse discuter, en fait, qu'on puisse... Enfin, je suis pas moi avec ma vision du monde. J'ai envie qu'on converse, en fait, qu'on discute, qu'on échange et qu'on se dise collectivement, c'est ensemble qu'on fait avancer, en fait, la littérature, les histoires qu'on nous raconte, la façon dont on se place dans le monde. Et donc, les animations, c'est vraiment ces endroits-là de parole. Et pour moi, qui fait entre une et deux rencontres par semaine, enfin là, pour cette saison, on est à 61 rencontres, c'est des endroits qui sont épuisants, je suis d'accord, hein, mais qui sont hyper revigorants. Enfin, à chaque fois, à chaque rencontre, c'est une nouvelle façon de voir le monde, des nouvelles pièces en fait, qui viennent compléter mon puzzle idéal de vie, on va dire. Et c'est des nouveaux publics touchés, puisqu'on passe sur des sujets complètement divers et variés. On a vraiment un intérêt particulier pour les essais, parce que c'est des endroits où on questionne vraiment les grosses thématiques. Et le projet que j'avais proposé pour le prix, c'était notre festival d'amour qui a eu lieu en février. Parce que je pense qu'à force de penser le monde, on oublie de le ressentir et on peut vite être en fait dans une colère, une rage, quelque chose d'assez épuisant. Mais que de ne pas oublier qu'en ressentant les choses, en fait, on est d'autant plus nourri qu'un livre qui nous parle d'une histoire d'amour lesbienne qui est complètement en dehors des structures paternalistes, patriarcales, capitalistes de l'amour et qui vient comme ça émouvoir toute une scène, en fait, un public de notre rencontre où on était toutes accrochées en fait aux lèvres de l'autrice qui nous racontait son premier baiser. Ben moi je me dis cette soirée en fait elle nous a fait regagner des points de vie incroyables après tout ce qu'on a vécu de la pandémie quoi. Et donc ce festival, il me tient hyper à cœur. On a fait 3 semaines de rencontres, 6 rencontres, et à chaque fois c'était de l'émotion, c'était des larmes, c'était des rires, c'était l'envie de vivre en fait qui se remettait à jour. Et puis après c'est bon, on peut repartir dans la bataille quoi. Et les animations, je les vis comme ça. C'est ce qui me donne envie tous les jours en fait de me battre pour que la librairie perdure, se développe. C'est de se dire on fait ça ensemble. En fait, il y a pas moi, je suis peut-être un peu leaduse parce que je suis la patronne, mais en vrai toute seule. C'est moi et mon salon, quoi, on s'en fout. Que si on est toutes ensemble, ben, peut-être qu'on voit une révolution avancer quand même. Et ces rencontres qui, par nature, sont éphémères, vous avez choisi de les conserver, de leur retirer leur caractère éphémère, aussi pour une question d'archivage, et ça, c'est vraiment intéressant, en créant des podcasts. Tout à fait. Donc La Franchie Podcast, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit sous abonnement ou pas, donc ça c'est important aussi, d'être en plus libre service possible. Ce sont juste, et je dis juste, mais en vrai c'est déjà incroyable, les enregistrements des rencontres que j'ai avec les autrices, donc en majeure partie des autrices quand même. Donc c'est notre conversation, et toute l'idée à chaque fois, c'est de permettre en fait à un public très large et varié de pouvoir s'en emparer à des temps plus ample que celui de la rencontre, parce que ben, tout le monde n'est pas disponible à 19h un jeudi par exemple. Par contre quand c'est sur le travail, enfin le trajet du travail ou des moments enfin X ou Y, en fait on touche vraiment un public qui n'est pas à Lille, qui est partout dans le monde. On a des personnes qui nous écoutent en Corée du Sud, aux États-Unis, enfin il y a des francophones un peu partout en fait, et donc on se rend compte que ces messages qu'on porte dans la librairie se propage de plus en plus. On commence à vraiment avoir des écoutants de très très nombreux et nombreux. Et ça me touche énormément parce qu'on commence aussi à avoir ce public qui vient exprès parce qu'ils nous ont entendus dans le podcast. Donc c'est les petits « je reconnais votre voix, je vous ai entendu pendant… » Et ça me touche beaucoup parce que je me dis les messages continuent à tourner parce que les rencontres qu'on fait, elles sont importantes dans l'époque qu'on est en train de vivre. Et l'archivage dans les milieux féministes, c'est une cause qui est pas assez en fait exprimée et développée. Après, c'est un cœur de lutte du collectif Édité en Féministe qui est en train de se monter et qui commence vraiment à positionner politiquement ses attentes et ses revendications. Et ce principe de l'archivage, c'est de dire nos luttes ne seront pas effacées en fait.
Vous les avez suffisamment invisibilisés. Là, maintenant, nous, on les consigne, on les garde et on les garde précieusement. Et ça, c'est tout un pan, en fait, des luttes qui est hyper incroyable parce qu'on récupère... je parlais avec le collectif Mémoire Minoritaire qui est à Lyon et qui nous disait on a retrouvé des photos des premières manifs anti-sida, etc. Et les gens se sont reconnus, mais des vieilles personnes maintenant, enfin, des personnes qui ont fait leur part peut-être aussi. Et je me dis... les bibliothèques féministes, les librairies, les maisons d'édition qui jouent un rôle d'éditer aussi un féministe, elles sont là pour corriger ce que l'histoire tente de nous prendre constamment, en fait, le fait qu'on existe tout simplement. Et quand je dis « on », ce sont les femmes, les personnes sexisées, les personnes minorisées, enfin toutes celles et ceux qui ne se considèrent pas comme un homme cisgenre, hétérosexuel, blanc, plutôt cultivé. Voilà, bon, on est quand même nombreux et nombreuses, hein. Le dire. Juste un point technique, parce que le podcast, c'est pas forcément, c'est un métier presque. Mm-hmm. Comment vous avez abordé ça, vous ? Est-ce que vous aviez déjà un pied dans l'audio ? Pas du tout. Non. Ça a été d'abord un projet d'équipe avec le libraire qui m'accompagnait à l'époque, qui a été en charge en fait de faire le montage, parce que c'est un truc qui pour le coup le passionnait, Emmanuel Vacher. Et puis j'ai eu une monteuse, Camille Cario, qui m'a accompagnée sur quelques épisodes. Mais bon, ben voilà, on pourrait penser que la franchise est riche, elle ne l'est pas du tout. Et donc les coupes budgétaires, j'ai pas pu continuer en fait à avoir quelqu'une qui m'accompagnait. Et donc c'est moi qui reprends le montage depuis quelques mois, ce qui permet aussi de vraiment continuer à être investi en fait dans la narration et de voir exactement en fait ce qu'on raconte et de continuer à porter en fait le message jusqu'au bout, parce que parfois quand il y a une coupure en fait dans les productions, quelle est la main qu'on a sur le montage, etc. Là au moins j'assume du début à la fin ce qui s'y passe, mais c'est vrai que c'est un investissement en temps et en compétences que je fais petit à petit. Moi qui suis très exigeante, il a fallu que j'apprenne à ce que c'est pas grave en fait si le son est pas tip top. Le principal c'est le message qu'on porte, et au fur et à mesure du temps on sait qu'on devient de plus en plus experte, quoi. Mais là on sera à 41 épisodes cette saison, on aura traité des sujets incroyables. La semaine prochaine on finit avec la dette, comment d'un point de vue féministe en fait c'est pas anodin ce qui s'est passé pendant la pandémie et qui en fait à la charge de cette dette au jour le jour, parce qu'on pense toujours l'État, mais en fait il y a des vrais gens derrière, hein, qui sont endettés, etc., qui ont vécu cette période-là difficilement. Et donc voilà, c'est des aventures, ce podcast, au jour le jour, on va dire. Mais il y aura une saison 3, je peux déjà le dire. Voilà, c'était ma prochaine question. Et un deuxième festival Festival d'amour, bah évidemment, parce qu'à partir du moment où on commence à parler d'amour, en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres sentiments incroyables qui arrivent, qui sont notamment l'amitié. Les amitiés qui, je pense, sont un endroit politique sous-estimé et qui, pour moi, sont essentielles. Et je me dis, si on fait un festival d'amour l'année prochaine sur les amitiés et toutes les joies et les bonheurs, en fait, d'être ensemble et de nos luttes, ça va encore être très émouvant. J'ai super hâte et je sais qu'on l'attend avec impatience, donc je suis déjà en route pour... je suis à l'affût pour la programmation. C'est déjà... On va battre... Nos cœurs vont battre fort. Voilà. Question émotion, le fait de recevoir ce prix coup de cœur du jury, qu'est-ce que ça vous procure ? Ça a été un petit peu chamboulé. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, parce qu'en effet, comme vous le disiez, ce n'est pas un prix qu'on a l'habitude de voir. Enfin, je savais que le dealer de livres l'avait eu l'année dernière et j'étais hyper touchée, parce que je trouve que ce projet est incroyable. Et voilà. Après, ce n'était pas anodin non plus qu'il l'ait cette année. Je pense que ce n'est pas anodin non plus que je l'ai cette année. Pour autant, J'ai aussi appris à le regarder avec beaucoup d'émotion, ce coup de cœur, parce que ça fait 10 ans que j'ai repris la librairie, ça fait 14 ans que je suis libraire. Les libraires qui m'accompagnent, les femmes libraires qui m'ont accompagnée depuis le premier jour de cette révolution libraire qui a été dans ma vie, elles m'ont soutenue, c'est une sororité absolument infaillible. Et de me dire que là, je suis récompensée, c'est un truc, je me dis, mais...
enfin, dans une carrière d'être récompensé, il n'y a rien à faire, mais ça vient quand même flatter beaucoup l'ego. Et moi, j'aime bien flatter mon ego qui est malmené quand même beaucoup dans ce monde. Et je me dis, mais si ça peut permettre à d'autres libraires d'y croire et de se dire que ce n'est pas parce qu'on est ultra spécialisé qu'on est invisible, bah alors moi, j'ai tout gagné, quoi. Mais félicitations pour ce prix qui vous va, qui vous colle à la peau, qui vous va très bien. Et puis, on vous souhaite un bon festival d'amour, encore beaucoup de podcasts et puis 10 prochaines années, 20 prochaines années à la tête de la franchise. J'ai encore du bavardage à souhait, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Capucine et Ismaïl Saïd Mohamed, merci d'être avec nous pour ce jour particulier, puisque vous êtes les lauréats du prix un peu spécial, c'est le prix du libraire de l'année. Alors en deux mots, je rappelle le fonctionnement de ce prix. Sur une sélection de la rédaction de livres hebdo, à peu près 5 ou 6 libraires, ça dépend des années. Ensuite, on présente les candidats sur le site de Livre Hebdo et c'est un vote des professionnels du livre qui détermine le lauréat. Donc cette année, c'est vous. Alors, on vous connaît pour l'ouverture de la librairie Combo à Roubaix en octobre 2021. On vous a même connu avant puisque vous aviez déjà beaucoup parlé de cette librairie sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre projet? Parce qu'en plus, il est atypique. En fait, on est une librairie spécialisée en littérature jeunesse, en bande dessinée, au sens large, donc comics, manga, et franco-belge, et romans graphiques, et en jeux de société. Et on a la particularité de vouloir faire des combos, donc des associations entre ces différents univers. On a un salon thé également, et on a la chance d'avoir un lieu assez grand. Et du coup, ça nous permet de faire beaucoup d'événements. Quand on fait des événements pratiquement 2 ou 3 par semaine, et on tient beaucoup au côté des lieux de vie. Et on est basé à Roubaix. Alors pourquoi Roubaix? Ça fait longtemps, ça fait plus de 15 ans qu'on avait le projet. Et moi j'ai toujours voulu me positionner sur Roubaix, j'aime beaucoup la ville, je suis né à Roubaix, j'ai grandi entre Roubaix et Waterloo. Et on est à côté du musée de la piscine, qui est un musée qui est assez connu et qui draine beaucoup de monde. Et la ville de Roubaix, au niveau culturel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la librairie, c'est un commerce, mais aussi quelque chose de très culturel. Et donc je trouvais que c'était l'endroit qui se prêtait le mieux à notre projet, on a besoin d'espace. On n'aurait pas pu avoir cet espace dans d'autres sites où c'est peut-être un peu plus cher. Donc au niveau de notre projet, je pense que c'était le mieux à faire. Enfin, c'est une ville dynamique et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font à Lille et vraiment tout autour de Lille. On s'est dit pourquoi pas à Roubaix en fait. Parce que les gens de Roubaix ont aussi envie d'avoir cette proposition-là. Parce que je crois que dans la création de votre librairie, il y a bien sûr l'aspect commerce du livre, mais il y a aussi une dimension de revalorisation de la ville qui passe par la librairie, culturelle assez forte. On est amoureux de la ville parce que c'est une ville qui est jeune, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de culture. C'est une ville qui a eu un passé vis-à-vis de tout ce qui était l'industrie textile, très important. Du coup, on a un patrimoine assez riche et important, donc de le valoriser, il y a la condition publique, il y a plein de choses comme ça. Et au niveau du livre, moi je trouve toujours que c'est le produit culturel. Bon, c'est de l'argent, hein, ça coûte d'acheter des livres, mais c'est le plus accessible en tout cas à mon sens. Et c'est un on peut partager. Même pour ça qu'on a inclus le jeu dans notre projet, parce qu'on trouvait que dans le tiers-lieu, c'est partager des moments. On peut parler d'un livre qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Et pourquoi j'aime, pourquoi j'aime pas, pourquoi je te le conseille. Et pareil, à un jeu de société, on passe du temps ensemble. Et nous, on voulait faire ça à Roubaix parce qu'il y a des générations, il y a des gens qui viennent de part de tous les horizons. Mmh. Voilà, c'est quelque chose de très dynamique. Et moi, j'ai toujours été, je suis un peu un amoureux de ce type-là. Roubaix, c'est l'avenir, c'est ça. C'était mon slogan pendant longtemps. Alors, vous n'étiez ni l'un ni l'autre libraire il y a encore moins d'un an. Vous êtes élu libraire de l'année. Ouais. Ça fait quoi ? C'est... Jamais j'aurais cru qu'on serait là. Déjà, qu'on serait sélectionné. Ouais, c'est très encourageant, c'est valorisant. Et effectivement, on vient pas du milieu du livre, de la librairie. Après, on a toujours aimé ça. Et là, on s'est lancé. Et voilà, je me dis que on s'est peut-être pas planté, quoi. Maintenant, on va s'améliorer au fur et à mesure du temps, mais c'est très encourageant. Ouais, on voit ça comme comme un encouragement, parce que c'est super valorisant. On pensait pas être sélectionné déjà, donc du coup, déjà, c'est une grande surprise. Quand on l'a appris, on sautait. Et vous êtes entouré d'une équipe alors jeune, il me semble. Jeune, mais déjà expérimentée. Voilà. C'est ce qu'on voulait, en fait, parce que n'étant pas du milieu, toi, tu as fait une formation, moi, j'ai encore mes deux activités. On voulait s'entourer de gens qui vont porter nos valeurs, parce qu'on a quand même des valeurs qu'on porte chez Combo. Mmh. Et aussi des gens qui avaient déjà de l'expérience, aussi bien en librairie indépendante qu'en grande surface spécialisée. Mais voilà, qui portaient les valeurs aussi de la librairie indépendante. Et donc, on a Marie et Jeanne qui nous accompagnent. Et Charlotte, qu'on a eu toute l'année là, en alternance. C'est et la voilà. Team. Ouais, voilà. C'est important parce que c'est un travail d'équipe. Nous, on est là aujourd'hui, mais c'est toute l'équipe Combo qui est... Et puis, il y a l'assortiment, parce qu'il y a le projet et après l'assortiment, et c'est le reflet de toute l'équipe. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a, un bon retour des gens qui viennent et qui reviennent et qu'on a des nouveaux, nouveaux visiteurs à chaque fois qui viennent visiter le lieu et découvrir un peu une sélection. Parce qu'il y a tellement de titres, en fait, notre travail, c'est de faire, entre guillemets, une sélection et de proposer, remettre en avant des titres qui sont déjà sortis ou de leur donner un point de vue sur ce qu'on aime comme titre. Et du coup, c'est cet échange-là et ça, c'est l'équipe. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment... Alors, vous parliez de valeur à l'instant. Vous ne l'avez pas dit, mais Combo, elle est née aussi de valeurs que vous portez, qui irriguent la librairie. Quelles sont-elles ? Alors, il y en a deux. Je vais dire l'accessibilité. Donc, moi, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et je travaille encore en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Et c'était que le lieu soit accessible pour tout le monde. Donc, quand je dis tout le monde, je pense particulièrement aux enfants porteurs de handicap, adultes aussi. C'est que, en gros, la famille, elle vient à la librairie Combo. Tout le monde doit pouvoir trouver chaussures à son pied, on va dire, ou en tout cas livre qui lui plaît. Et c'est pour ça qu'on on propose des livres adaptés. Donc, on a des livres en braille, des livres en pictogramme. Des livres pour tout ce qui est dyspraxique, dysorthographie, enfin voilà, plein. On a essayé, on n'a pas énormément, mais on va étoffer cette offre. Et aussi dans le lieu, donc que ce soit accessible, donc on a mis quand même les moyens pour que le lieu soit accessible, qu'il y ait de l'espace, voilà, qu'on soit en fauteuil roulant, en poussette, enfin voilà. On a visité, je ne sais pas combien de librairies, plus de 150, pour regarder ce qui nous plaisait déjà au niveau de l'aménagement, parce qu'en France, il y a des librairies extraordinaires. C'est pour ça aussi qu'on est hyper flattés, parce qu'on en a vu plein, on se dit waouh, ça met la pression. Mais du coup, on a pris plein d'idées et on regardait toujours aussi sur l'accessibilité. Mmh. Parce que c'est bien d'en proposer des livres pour tout le monde, mais s'ils ne peuvent pas rentrer dans la librairie, c'est un peu dommage. Donc du coup, on a essayé de travailler ça, c'est pas parfait, il y a encore des choses à améliorer. Oui. C'est les gens qui nous font remonter aussi ce qui sera intéressant. Donc ça, c'était la première chose, l'accessibilité et la visibilité aussi. Donc pour nous, c'est important que chaque personne puisse se sentir représentée dans les livres. Et donc, ça, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est la couleur de peau, les cheveux, la morphologie, la sexualité, la religion. En fait, on se construit à travers les livres. Donc, un enfant qui ouvre un livre, il doit pouvoir se ressentir dans ses livres. Et je prends toujours l'exemple de mes enfants, mais ma fille, elle a les cheveux frisés. Je veux qu'elle puisse se retrouver dans des livres où il y a des petites filles un peu bronzées avec des cheveux frisés, parce que, elle a le droit aussi d'avoir ces aventures-là et de se construire à travers ce lien-là. Donc, Par contre, il y a une réflexion à faire sur comment c'est fait, parce que c'est pas qu'il y a de la visibilité qu'elle est forcément bonne. Donc du coup, et là, ça demande un travail un peu différent. C'est-à-dire, il y a une visibilité, mais est-ce qu'elle est correcte, elle n'est pas stigmatisante ou autre. Et du coup, ça, c'est un travail un peu à part. Nous, on n'est pas auteur, on n'est pas éditeur. Le but, c'est d'avoir cette sensibilité-là et d'avoir un travail de réflexion en disant, là, peut-être que c'est pas approprié, et de mettre en avant là où on trouve que c'est approprié. Parce que la visibilité, c'est hyper important pour nous, et ça ne fait pas un bon livre. Mais nous, on est convaincus que un bon livre avec de la visibilité, c'est encore mieux.
Et on parlait aujourd'hui, lors de la journée, de le fait d'ouvrir les livres à des gens qui lisent pas forcément, qui sont un peu éloignés de la lecture. Nous, on travaille beaucoup là-dessus aussi. Et je pense que la visibilité, ça joue. Parce que si tu ouvres un livre et tu te vois jamais, tu vas peut-être pas être intéressé par ça. Et du coup, ça, c'est, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, des fois, on touche un peu moins certaines catégories de la population, parce qu'ils se sentent pas... inconsciemment, c'est pas des histoires pour moi, c'est pas pour moi. On prouve qu'on essaye de prouver que c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a le Québec, j'ai cru, il y a une journée sur... je sais qu'ils sont pas mal en avance là-dessus, en littérature jeunesse, notamment. Ça bouge, les choses bougent quand même. Ouais. Après, nous, on le porte, donc c'est sûr qu'on aime ça, et du coup, on va le mettre en avant. Mais ça se fait de plus en plus. Ouais. Un dernier mot sur l'accessibilité et votre espace. J'aimerais qu'on revienne dessus parce qu'il est quand même assez important. Vous avez mis les moyens, vous avez un local de 230 mètres carrés. Pour combien de références? On oscille entre 19 et 21 000 références. Donc ça veut dire que c'est aéré, c'est praticable. C'était vraiment une volonté de votre part? Alors, quand on a visité les librairies, on parlait d'accessibilité pour les personnes porteurs de handicap, mais il y a aussi pour les familles, et on veut être une librairie familiale. Et nous, quand on passait avec nos enfants, et à l'époque, ils étaient encore petits, on était serrés, t'as peur qu'ils fassent tomber, enfin, tu te souviens, ah bon, on va sortir, à Noël, n'en parlons pas. Donc, on s'est dit, il faut que ça soit grand, il y a une table à langer. Nous, on a déjà changé les enfants dans une librairie, des fois, c'était un peu folle. Non, pas tous même, pas dans une librairie, c'est rare les toilettes. Mais c'était, du coup, on s'est dit, il faut qu'il y ait la place, donc il y a la table à langer, il y a les accessoires pour les enfants, et qu'il y a de la place, on puisse respirer. Et je trouve aussi qu'il y a une rencontre, c'est peut-être déjà arrivé, mais quand vous arrivez dans une librairie, le livre, vous y passez 10 fois, il était dans les rayonnages, vous ne l'avez pas vu là. La disposition fait que tout d'un coup il y a une sélection du libraire avec un petit coup de cœur. Et du coup, on le voit, dans l'équipe, on a des équipes qui, dans nos équipes, font des bons coups de cœur. Et du coup, on les met en avant et on a de la place pour ça. Donc, par exemple, on a des niches, des niches de lecture. Et on y a tenu à nos niches de lecture parce qu'on s'est dit que ce soit un endroit, pas juste où on passe, on achète. On peut lire un livre, on peut feuilleter, on peut partager avec un enfant ou entre adultes. Les fameux tiers-lieux. Ouais. Et économiquement, on sait bien que la rentabilité d'une librairie est très faible. Donc, accorder beaucoup d'espace avec moins de références que les ratios traditionnels, comment vous arrivez à tenir ça sur ces premiers mois? En fait, il y a deux choses. C'est que peut-être quand dans des grandes villes comme Paris, le projet n'était pas possible, en tout cas avec nos moyens, mais on parle souvent des handicaps des villes moyennes qui ont des difficultés avec le centre-ville. Là, c'est un atout parce que du coup les loyers sont moins élevés et donc c'est sûr qu'on peut faire ça à Roubaix, on ne pourrait pas peut-être le faire ailleurs, donc on a joué sur cette partie-là. Et après, la deuxième, c'est que le fait d'avoir 15 livres sur un sujet, si on n'en a que 4 mais on les met mieux en avant, ça va peut-être, c'est peut-être pas, c'est pas un mauvais point à jouer pour la présentation du livre. Il y a une présentation, donc il y a une scénographie, on a un lieu de vie aussi, donc on a le temps de le lire. Si vous avez le temps de le feuilleter, peut-être que vous allez plus facilement le prendre. Donc là, il y a un équilibre, on l'a pas encore trouvé. Les événements aussi. Il y a les jeux de société qui sont là, les soirées-jeux toutes les semaines. Donc les soirées-jeux, on partage des jeux, on teste des jeux, du coup ça donne aussi envie de... Et en fait, vous créez du lien. Parce que les gens, ils viennent, ils passent plus de temps, ils prennent un café, ils viennent avec les enfants, ils jouent, vous discutez. Et puis après, la fois ils viennent après, vous pouvez proposer parce que vous souvenez un petit peu de leur goût. Dans la rue, on a un cabinet d'avocats, on a une dame, je sais qu'à la fin de chaque fois, cette période de stage de ses stagiaires, elle offre un livre. Et je sais comment elle les choisit, donc je pense, je prends ça. Et ça, c'est parce qu'elle vient prendre un café, par exemple. Donc ça, c'est... On essaie que les gens se sentent bien, en fait. Voilà. Je me dis, s'il y a de la place, ils se sentent bien, ils ont peut-être plus envie d'aller regarder que si c'est tout serré. On a cette chance-là, donc on essaie de jouer là-dessus. Ok, merci à vous et encore félicitations pour ce beau prix. J'aurais encore eu plein de choses à dire, mais je vous souhaite de beaux projets pour Combo. Merci beaucoup. Merci.
Agathe, Gwendoline, vous nous venez de l'Embarcadère à Saint-Nazaire. Le jury du prix Livre Hebdo des librairies a choisi de vous décerner son grand prix, qui est un prix qui récompense l'ensemble du travail fait par la librairie au quotidien. D'où ma première question, qu'est-ce que vous faites dans votre librairie au quotidien qui vous a valu ce prix ? C'est une vaste question. Je pense qu'on fait comme beaucoup de libraires. On accueille la clientèle du mieux qu'on peut. On est très attentive à la relation qu'on entretient avec les clients. Enfin, voilà, que ce soit de l'attention, mais en même temps pas forcer les ventes. Enfin, voilà, on est attaché à ce que notre lieu soit aussi un lieu de vie. Donc aussi bien faire des animations, mais dans le quotidien, que ce soit un lieu de rencontre, de conversation, voilà, dans lequel on peut se poser pour lire. Les enfants ont le droit d'ouvrir les BD et de s'asseoir dans un coin. Voilà, après je ne sais pas, au quotidien. On a la chance d'avoir une clientèle très fidèle, en fait, des gens qui viennent très régulièrement, pas forcément pour acheter, mais même en revenant du marché, discuter. Et ce qui nous aide beaucoup dans le choix des nouveautés, en fait, parce que quand je vais travailler les offices, je sais que tel livre, c'est pour monsieur un tel, ça va forcément parler à telle personne. Et ça, c'est quand même très très chouette. Vous parliez des offices. Expliquez-nous comment vous valorisez votre fonds et justement vous équilibrez ce travail entre office et fonds. On est attentive effectivement à ne pas surfer que sur la nouveauté. Enfin, c'est une problématique qui nous anime et qui provoque des débats parfois même entre nous. Voilà, et là c'était l'occasion pour ce prix de mettre en avant une action particulière qui à mon avis n'existe nulle part ailleurs, qui s'appelle la fête de la critique, qui a été imaginée il y a très longtemps avec Sarah donc, et Joël Carventon. À peu près, on avait ouvert depuis un an et puis on se réunissait voilà, de manière régulière pour réfléchir à comment inventer quelque chose d'un peu différent, d'un peu désacralisant autour de la lecture. Et donc on a mis du temps avant de trouver la bonne formule. On s'est associé ensuite avec Escalado, donc qui est un peu l'office de la jeunesse municipale de Saint-Nazaire. C'est l'ancien nom, ça, mais et ils ont adhéré à ce projet-là. Du coup, ça nous a fait des forces supplémentaires. Et maintenant, c'est un projet qui est à destination d'un public adolescent, du coup, et qui s'attache à faire une semaine vraiment de ça s'appelle la fête de la critique. Une semaine d'exploration autour d'un ouvrage avec, je dis ça a été réfléchi vraiment depuis très longtemps parce qu'il y a plein de petites nuances et de petits protocoles ludiques, ça n'a rien de très sérieux, mais en tout cas qui permettent de faire un pas de côté, de ne pas être dans la prescription et d'être dans ce qu'on appelle la démocratie culturelle. Ces valeurs de démocratie culturelle et d'éducation populaire vous sont chères? Vous avez mis en place une autre action qui va dans ce sens. Ce sont les comités de lecture. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Les comités de lecture, en fait, il y en a 4. Et ils permettent aussi énormément de valoriser le fond, en fait. Parce que, alors, il y a un comité de lecture polar qui va fonctionner avec des tirages au sort de thèmes. En fait, il va y avoir un thème. Je sais pas, il y a eu le Moyen-Âge, voilà. Donc du coup, après, avec chercher des livres qui ont été lus ou que les gens veulent lire sur ce sujet, et puis ils en parlent ensemble une fois par mois. Il y a un comité de lecture littérature, donc qui cette année était plutôt sur la littérature étrangère, où ils ont tiré au sort un pays tous les mois. Voilà, donc c'est pareil, ça, du coup, ça valorise la littérature étrangère. Et donc ça va donner lieu à un carnet de voyage en fait où il y aura la liste des livres avec les fiches de lecture, les commentaires. Et il y a un comité de lecture féministe hein, qui est très très dynamique avec la mise en place du cycle, peut-être tu peux en parler mieux avec l'association Flux. Je te laisse terminer. Et puis il y a le comité ado, mais c'est pareil là, c'est Agathe qui est plus au point, avec de la correspondance avec les auteurs. Et ça, vraiment, ça permet de faire tourner le fond de la librairie. C'est important. Et puis nous, ça nous remet en question sur notre travail, parce que du coup, quand c'est tel pays qui est tiré au sort, il va falloir qu'on se dise, mais est-ce qu'on a vraiment assez de livres et quels auteurs sont connus dans ces pays? Et c'est chouette. Les comités se réunissent tous les mois. Combien vous avez de lecteurs clients dans ces comités?
En fait, on fait des jauges assez petites de manière intentionnelle pour que ça reste un endroit un peu intimiste aussi. Et puis, ça nous a permis de les maintenir au moment où on ne pouvait plus faire d'animation parce qu'on ne pouvait plus recevoir du public. On a maintenu alors, soit en visio, quand c'était vraiment les crises sanitaires fortes, soit après, du coup, en étant en petit comité et en portant les masques, voilà, on a maintenu ça. Donc, c'était un format qui s'est développé aussi suite à ces deux années un peu particulières. Le comité Polar est né il y a un an, en fait. Voilà. Sur la demande des clients. Et ces comités, ils sont dynamiques aussi parce qu'ils sont parfois en partenariat, donc on parlait du comité féministe, avec là une association féministe qui s'appelle FLUT, Femmes en lutte, et qui organise notamment ce qu'elles ont appelé le cycle, qui est un format de rencontre, d'invitation d'autrices ou scénaristes BD sur un an, voilà, pour mettre en avant la BD des autrices et la BD féministe. Et puis le comité de lecture dont tu n'as pas parlé, mais qui a un genre de comité de lecture qui s'appelle Je lis du théâtre en partenariat avec Athénor, qui nous permet de travailler les écritures dramatiques pour la jeunesse. Et voilà, donc ça crée des dynamismes comme ça aussi, ce genre de partenariat. Les partenariats que vous entretenez sont nombreux. Pourquoi sont-ils importants dans une ville comme Saint-Nazaire ? Ils sont très importants pour notre ancrage territorial, mais ils sont aussi un peu l'ADN de la librairie et la source, parce qu'en fait la librairie s'est créée, l'association de soutien de la librairie s'est créée avant la librairie. Et l'idée, c'était du coup un collectif d'habitants de Saint-Nazaire. Il y a une librairie indépendante qui avait fermé, Voix au chapitre, de Gérard Lambert. Et du coup, ses clients lecteurs s'interrogeaient sur comment faire vivre une librairie à Saint-Nazaire viable économiquement. Et c'est ce collectif-là qui a porté la création de la librairie en SCOP. Donc on a, et puis Saint-Nazaire est assez connu, je pense, pour un fonctionnement associatif très fort et très dynamique. Et du coup, ça, voilà, c'est aussi un miroir de cette réalité territoriale. Une librairie, c'est d'abord un fonds. Comment vous le composez et quelles relations vous entretenez avec les représentants ? Alors ça, c'est un débat que nous avons en ce moment. Voilà. L'objet de ce débat, justement. Eh bien, c'est la question du choix des livres, de mettre en avant de plus en plus les petits éditeurs, voilà, les rentrées littéraires avec un livre ou deux choisis, et de ne pas se faire déborder et d'essayer de choisir le plus justement, le plus... C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on n'a pas une vue... global en fait des offices, enfin en tout cas oui, c'est effectivement les questions qui vont nous animer là dans l'année qui vient. Après, sur notre fonctionnement, on est quand même attaché chacune à un rayon particulier, et donc on développe quand même une compétence dans ce rayon là assez fine et assez profonde, et chacune est responsable de ses achats, et donc c'est que par choix, enfin on n'a pas d'office imposé. On reçoit avec plaisir les représentants, donc on a plutôt des bonnes relations. Qui s'arrache les cheveux, parce que du coup, en SCOP, on s'est partagé les rayons de façon complètement par affinité. Voilà, donc il y a eu un moment où j'avais la littérature étrangère, mais Camille s'occupait de la littérature nord-américaine. Voilà, j'avais la vie pratique, mais elle avait la cuisine. Des choses comme ça, les essais. Marielle s'occupe des essais et j'ai gardé la philo. Et un rayon qu'on a intitulé « Vivre autrement », qui finalement pourrait prendre une grosse partie de notre rayon écologie. Les représentants rient beaucoup quand ils viennent, en général, mais ça se passe très très bien, en fait. L'année 2022 est plus délicate économiquement. Est-ce que, pour vous, les achats sont le nerf de la guerre ? Je pense que c'est pour ça que ça revient au centre de nos débats. C'est que là, le début de 2022 est difficile, et du coup, se repose la question de la gestion du stock et quelles sont nos marges d'action et nos marges de manœuvre. Et puis au-delà de ça, en fait, on est quand même une librairie très engagée écologiquement aussi. Et qu'en fait, on a créé récemment une caisse Sauvez-nous du pilon pour les livres qui arrivent abîmés, et que les retours, on ne veut pas faire autant de retours. Et en fait, elle fonctionne très bien, cette caisse.
On essaie d'attirer vraiment, on fait juste 5% de réduction sur le livre, voilà, et les gens presque se sentent un peu obligés de l'adopter, voilà, et enfin, on essaie de réfléchir à des petites actions parce qu'en fait, ça nous fait tellement mal au cœur de se dire que voilà, que beaucoup de carbone pour les faire venir, et puis quelquefois on n'arrive pas, on a un peu honte, on n'a pas réussi à tous les lire, à tous les défendre, et du coup ils repartent, et voilà, on essaie d'être un peu plus. Oui, aussi, voilà, avec un objectif de baisser notre taux de retour. Agathe, Gwendoline, merci à vous et encore bravo pour cette récompense. Merci à vous. Merci beaucoup.